Jacques Aristide avec vous de Bamako pour vous présenter un Washington Forum spécial Mali. La gestion désastreuse de notre pays pendant ces 5 dernières années. Avant de m'adresser à nos deux autres invités, Mahamadou Camara, une réaction à cela. Alors, vous-même. Je précise, nous n'avons pas le droit de donner des chiffres. Merci bien. Anitié. Merci beaucoup, Anitié. Le Mali est en proie à des attaques djihadistes dans le nord. Ali Maïga, des mouvements armés de la plateforme signataire de l'accord de paix. Je demande un apaisement. Oumar Keïta, un jeune de 29 ans, a accordé sa faveur au candidat qui, d'après lui, va créer de l'emploi. Il a dit que lorsqu'il sera élu président de la République. Les Maliens sont désormais dans l'attente des résultats. Les premiers devraient être connus dans le courant de cette semaine. Nous sommes ici à la place Cannes ACI 2000, où sont installés les quartiers généraux de plusieurs candidats. Pour aller voter dimanche, c'est pour le travail de jeunes. Et de sécurité de Mali et de la paix. Jacques Aristide avec vous pour un numéro spécial de Washington Forum que nous avons le grand plaisir de vous présenter en collaboration avec notre chaîne partenaire Box Télévision à Dakar. L'action est nécessaire depuis les pays d'origine, à travers les pays de transit et sur les côtes d'arrivée. Ramatoulaye Diagne, parmi les nombreux jeunes qui empruntent ces chemins. C'est une excellente question que moi-même je me suis posée à plusieurs reprises. Jacques Aristide avec vous pour un nouveau numéro de Washington Forum que nous avons le grand plaisir de vous présenter en collaboration avec notre chaîne partenaire Wolf TV à Dakar, mon confrère sénégalais Ousmane Sen. Ousmane, merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci Jacques Aristide, bonjour, c'est un plaisir partagé avec vous. Il n'y aura pas la constitution qui la respecterait. Et à toutes les fois que Joseph Kabila Kabange a été face à la presse et face justement aux hommes politiques, Mais alors, la question quand même qui se pose, et Monsieur Oumpé en parlait tout à l'heure, c'est quand même pour la première fois depuis l'indépendance de ce pays qu'il se peut qu'il y ait justement une transition pacifique, pour ne pas dire une alternance. Et là, c'est un problème. Où trouverons-nous l'argent effectivement pour organiser les élections? Aujourd'hui, la majorité dit qu'il n'y a pas de l'argent. À une question de l'une de nos chaînes partenaires en RDC. Bonjour, je suis Serge Farini des Micha Pivot et TV. Développé par rapport au lieu de travail. Le méga projet n'est toutefois pas sans critique. Pour des experts, the mega project is not without criticism. For experts, the social housing it includes. We're not against the Emerging Senegal initiative. Skype from Bamako is VOA reporter Jacques Aristide. Jacques, good evening from Bamako. And vote counting is going on, Jacques. What do we know? Who is in the lead? Good evening, Esther. Good evening from Bamako. Well, for now, no one can report on numbers coming out of the vote counting. General insecurity in the country, has this been contained? Yes, you know, actually, there were great fears that this election would be disrupted by attacks. Retrouvons à Bamako Jacques Aristide, envoyé spécial de VO Afrique. Jacques, bonsoir. Bonsoir, John. Est-ce que ces résultats du premier tour surprennent grand monde à Bamako? Pas vraiment, John. En fait, c'était déjà dans tous les esprits, du moins ici, dans la capitale malienne. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et son principal rival, le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Nous retrouvons Jacques Aristide. C'est après une pluie fine que les électeurs se sont rendus aux urnes dans la capitale, comme ici dans le quartier présidentiel de Sébini Koro. Mr. Payne concluded a two-day state visit to Senegal on Sunday, where he and Senegalese President Macky Sall signed several bilateral deals to boost their economic ties. Jacques Aristide, of VOA's French 2 Africa service, reports from Dakar.
Chinese president symbolically handed the keys of the national sports arena to President Macky Sall. Jacques Aristide s'est rendu sur place. Ils sont jeunes ou d'un certain âge, des garçons, des filles, des hommes et des femmes. Dès l'après-midi, ils prennent d'assaut la corniche ouest de la capitale. Si j'arrive à les rattraper, bien évidemment. De Bamako, Mali, Jacques Aristide pour VOA Afrique. Mashika pore tenekere lao apeni alache